Salut tout le monde, c'est Pousse et on se retrouve pour un nouvel épisode du challenge des 2000 choses à faire. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Et donc, on avait laissé notre petite famille avec Jeanne qui venait de grandir. Donc la voici en adolescente. Alors elle n'est pas très très gâtée par la nature, je peux vous le dire. J'ai essayé de la ranger. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, mais voilà, c'est pas trop ça. Elle ressemble très très fort à son papa. Donc, bah la pauvre, quoi. Pas de bol. J'aimerais bien qu'elle tourne la tête pour la voir de face. Sinon, on va tourner, mais c'était pour avoir un meilleur point de vue. Alors, donc, elle a des mâchoires super larges. Elle n'a pas un très très beau nez et ses yeux sont tombants sur le côté derrière, donc derrière moi, c'est parce que je regarde le portrait derrière, sont tombants sur le côté extérieur. Bref, voilà, c'est pas top, mais bon, j'ai essayé de la ranger, donc je trouve que je m'en suis pas mal sortie, comme je vous disais. Oups, j'ai accroché le micro. Le casque, oh là là, ça commence bien cet épisode. Donc voilà, en plus, elle n'est pas toute mince, mais bon, ça c'était déjà le cas quand elle était enfant, donc forcément. Voilà, bon, de toute façon, il faut qu'elle ait un A à l'école et puis elle pourra déménager. Sinon, bah oui, j'ai ajouté le portrait de famille parce que je trouve ça sympa, surtout dans un challenge comme celui de Robin, où elle a des enfants, etc. Je vais y arriver. Et donc, ben voilà, la petite famille, hein. Jeanne, Lucie et Lisa, ou l'inverse, je sais plus, oui, l'inverse, Lisa et Lucie. Brandt, les chats, Zoé, elle n'a pas l'air très contente. Et le petit chaton dans les bras de Lucie, oh, je vais y arriver. Donc, ouais. C'est un portrait sympa, donc j'ai mis ça au-dessus de la cheminée puisqu'il n'y avait rien. Alors, dans cet épisode, bah écoutez, on va continuer d'essayer de terminer cette aspiration culturiste. Hein, j'aimerais bien y arriver quand même. Et puis, bah, avoir une promotion peut-être, hein, ce serait pas mal. Donc, elle travaille à 14h. Tu peux peut-être continuer à papoter un petit peu parce que ton social n'est pas très élevé. Et voilà. Donc tu vas papoter avec ta fille. Lisa, elle augmente sa compétence. On est samedi donc elle ne va pas à l'école. Et Lucie aussi. Ok. Elle a des devoirs à faire, donc elle peut peut-être faire ses devoirs aussi. Ensuite, tu peux peut-être l'aider à faire ses devoirs. Bon, ça c'est Brandt, on s'en fout. Voilà. Donc comme ça, ton social n'augmente pas. Je pensais qu'il allait augmenter en même temps, mais non. Bon, bah écoute, quand elle aura fini ses devoirs... c'est bientôt le cas. Elle fait parler le livre. N'importe quoi. Ok. Donc tu peux continuer à papoter un petit peu. Le petit Milo, qui n'aime pas trop la chaîne Ifi apparemment. Alors, donc, elle va bientôt avoir fini. Il va être midi. Donc tu peux arrêter de papoter. Tu vas aller t'entraîner. Hop. Elle mange. Tiens, c'est qui a cuisiné là? Brandt. Il est où Brandt maintenant? Bon. Bah, il est au boulot. Ça date de quand cette histoire?
Oh, c'est bientôt périmé en fait. Donc, tu peux peut-être. Ça fait quoi ça? Jouer au docteur. Non, mais non, on ne veut pas discuter, on s'entraîne là. Jouer au docteur. Alors, ça augmente les facultés mentales. Bon, oui, écoute. Fais-toi plaisir. Toi, une fois que tu auras mangé, tu pourras améliorer tes facultés motrices. Voilà. Donc, tu vas aller sur les bars. Alors, Robin travaille dans 1 heure. Donc, oui, ça va. On pourrait. Oh, t'es malade, Robin? Ah ouais, elle a un rhume de cerveau. Bon, bah, continue à t'entraîner. Puis, t'iras vite faire pipi. Hop. On va y arriver, faire pipi. Prendre une douche tonifiante. J'ai l'impression que son physique ne change pas beaucoup. Alors, je vais quand même vérifier un truc, c'est que je n'ai rien pour l'empêcher de se muscler. Oui, ça non. Toujours bienvenue, négociatrice. Non, je vois rien à ce sujet-là. Il faut attendre. T'as encore du progrès à faire, mais soit. Alors. Il va être 14 h. Normalement, tu devrais pouvoir aller au travail. Ok. Vas-y. Alors, si on a une promotion, il va falloir choisir entre culturiste et joueur, là, professionnel. Je ne sais toujours pas parce que j'ai eu que 2 avis, je pense, et ils étaient différents. Donc, voilà. Tu vas travailler dur. Alors, toi, tu fais pipi. D'accord. Tu peux vider la litière, pardon. Tu peux prendre une douche et puis tu peux. Qu'est-ce que tu peux faire? Brent, il est dans la branche entraîneur privé. Il est dans la branche culturiste. Je lis ce qu'il est marqué pour la fin. Culturiste professionnel. Bon, je sais pas. On verra bien quand ça se présentera. Prendre des restes. Brent, mange ce que tu as sorti, s'il te plaît. Alors toi, manger du gâteau, non. Tu as déjà mangé, donc tu peux peut-être travailler. Bah, tes facultés mentales. Hop. Tu as un A à l'école, donc c'est parfait. Et toi, tu as quoi? Un C. Mais toi, ça fait pas longtemps que t'as vieilli, je pense, hein. Ouais, encore 50 jours. On va bientôt atteindre le niveau 4 pour Lucie. Voilà. C'est parfait. Alors, Robin. Bon, pour l'instant, elle est toujours de bonne humeur. Normalement, elle devrait avoir une promotion. On va la faire discuter un peu avec les collègues pour augmenter son social. Alors, qu'est-ce que tu veux? A besoin de jouer aux jeux vidéo. Ben, tu peux jouer aux jeux vidéo si tu veux. Je pense que ça t'augmentera quand même. Ton
une de tes compétences. Faculté mentale, voilà, c'est très bien. Mon visage ne ressemble à rien, je ne peux pas sortir dans la rue comme ça. Que faire ? Bah oui, c'est ce que j'ai dit, je suis désolée Jeanne, mais tu n'es pas très gâtée par la nature. Oh, bah, sympa comme réponse, cache-toi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, elle, de toute façon, à part faire ses devoirs pour avoir un A à l'école Ah oui, niveau 3 dans une compétence, par contre. Bah, tu peux faire un peu de fitness, tiens. Comme ça, tu maigriras un petit peu. Peut-être. Bon, elle est pas énorme, hein. Elle a un tout petit peu de ventre, ça va, franchement. Elle est pas grosse, mais voilà. Je vous avais dit, hein, j'aime bien les Sims qui sont minces. Histoire de vivre mon rêve par procuration, on va dire. Je suis pas grosse non plus, mais voilà. Bon, je pense qu'on a tous quelques kilos en trop dont on aimerait bien se débarrasser. Ben voilà, c'est le cas de Jeanne aussi. Donc, alors, elle revient quand elle? T'es toujours ok pour ta promotion, oui? 21h, bon, c'est pas tout de suite. Tu es en forme, donc tu peux te détendre pour augmenter ton divertissement. Toi, tu vas continuer. Alors, elle, c'est bon. Ah bah t'as déjà fini de jouer aux jeux vidéo toi. Allez, va faire pipi. Et puis tu rejoueras aux jeux vidéo. Hein. Je sais pas si quand il n'y a pas le petit sigle à côté ça augmente pareil. Une compétence, on va voir tout de suite. Elle est au niveau 2, Jeanne, c'est bien. Niveau 8 pour Lisa. Et elle, non, ça n'augmente rien du tout. Donc il faut que tu joues un attaque arithmétique. Alors, êtes-vous une personne ambitieuse? Avez-vous l'esprit de compétition? Affronter les meilleurs ne vous fait pas peur? Vous voulez gagner votre vie en pratiquant le sport de votre enfance? La carrière d'athlète professionnelle est faite pour vous. Menez cette vie et divertissez les foules grâce à vos compétences athlétiques. Et culturiste, en tant que maître de la musculation, vous pratiquerez le fitness, ferez attention à votre nutrition et soulèverez des poids. Entraînez d'autres Sims, faites étalage de votre force devant des fans en délire et sculptez votre corps pour ressembler à une déesse. Je ne sais pas. Bon, allez, on va aller sur culturiste. Je l'ai jamais fait, je pense. L'autre, j'avais commencé, j'ai jamais été au bout non plus, mais... Allez, culturiste. Donc, on est entraîneuse privée comme Brandt. On a un tapis sans chichi, interaction enseignée, interaction oh là là, suggérée de s'entraîner. Enseigner le fitness. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Oups, je vais y arriver. On va réveiller Jeanne. Et on va voir si on peut enseigner le fitness à Jeanne. Alors, jusque-là, je ne le vois pas. Ou alors, il faut qu'elle se mette sur le tapis. Et qu'on lui enseigne le truc. Discuter des techniques d'entraînement. Frimer en montrant ses muscles. C'est toujours pas ça. Bon. Quoi ? Suggérer quoi ? J'ai vu un dernier, mais... Suggérer de s'entraîner. C'est sympa.
Baba, Zorpal, Umoiza. Ya Tibou. Ok, alors est-ce qu'elle va s'entraîner pour autant? Ah, elle peut pas en fait. S'entraîner à danser, non mais... Ouais, elle peut pas, elle est trop fatiguée. Donc tu vas dormir. Toi, tu vas peut-être arrêter aussi hein, et aller dormir aussi. Hop, au lit. Et toi, tu y es déjà, oui. Alors, ben, c'est toi qui vas t'entraîner du coup, Robin. Hein. Allez. Ah oui, si je prends pas le bon personnage, ça n'ira pas. Course d'endurance. Tout le monde dort, c'est très bien. Hop. Bon. Ben, on va attendre un petit peu qu'elle s'entraîne. Il reste 14 jours. Il faudrait qu'on complète les collections aussi, mais... La faucheuse. On est amis. Bon. Allez, Robin. Jax. J'aimerais bien qu'elle puisse terminer cette aspiration culturiste, là, quand même. Elle a les bras musclés, quand même, mais... on peut peut-être lui faire manger de la salade, aussi, pour... pour la faire maigrir. Alors, salade du jardin. Histoire qu'elle ne grossisse pas de l'autre côté avec la nourriture. Hop. Elle va où ? Tu savais pas faire ça là ? Il faut que tu fasses le tour. Tout va bien. Petite feuille de salade qui vole là. Bah oui, tu refais le tour, tu vas dans la salle de bain, logique quoi. Ok, tout va bien. Bah mange ta salade. Ensuite, tu iras faire pipi. Bon, au niveau abdominal, abdominaux, pardon, ça, y a encore un petit peu de progrès à faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui mettre un tapis de yoga. Je pense pas qu'on en ait un déjà. Parce que on devient vachement musclé aussi avec le tapis de yoga. Puis ça changera un petit peu de la course sur le tapis. Non, j'en vois pas. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait pas de sous. Alors, activité et compétences. Donc, on va le tourner. On va le mettre là. Voilà, peu importe la couleur. Et tu vas t'entraîner au yoga après. Allez, dépêche-toi. C'est quoi que tu manges, toi ? Gâteau au confetti. Bon, fais-toi plaisir. Hop. Évidemment, tu te mets dans le mauvais sens. Pas très doué, hein, pour quelqu'un qui a 10 en fitness. On dirait que c'est pas la même compétence, certes, mais... Alors, elle travaille tôt, je pense.
Ouais, dans 2 heures. Et il faut qu'elle entraîne quelqu'un toujours. Donc, t'es toujours courbaturé, toi? Non. Alors, peut-être que tu vas aller t'entraîner. Et ta petite maman, elle va venir t'enseigner le fitness. Enseigner. Voilà. Ça marche bien les cours, dis donc, avec maman. Tu te casses la gueule sur le tapis. Elle a atteint le niveau 3, donc c'est cool. Elle pourra avoir un B. Quoi? Oh, elle a maigri d'un coup. Tu n'effectues que 25%, ma cocotte. Mais tu dois aller travailler. Donc, peut-être prendre vite une douche tonifiante avant d'aller bosser. Voilà. Non, mais toi, t'es dans le chemin. Hop. Elle a bien maigri, hein. Allez, casse-toi. Viens ici. Maman, elle veut prendre une douche. Ah bah, elle est bien musclée, là. Quand même, elle commence. Il est cool, son truc. C'est mieux que celui de Brent, hein. C'est pas beau quand ils sont musclés comme ça. Sweat. Alors, bon, bah écoute, tu vas aller manger. On va ouvrir le frigo. Hop. Je regarde le temps en même temps. Tu vas manger des toasts. Alors, toi, tu joues au docteur. Ok. Toi, tu manges. Ok. Ensuite, tu pourras peut-être t'occuper un peu des chats, tiens. Caresser. Parler. Alors, Lucie, tu vas aller te laver. Et puis, tu t'occuperas de quelles compétences? Faculté mentale ou faculté sociale? Tu peux aller jouer et ta sœur viendra jouer avec toi. Et comme ça, vous parlerez aussi et vous commenterez les deux en même temps. Alors, c'est quand tu le sens, hein, Lucie. Peut-être qu'il faut que j'enlève ça, je sais pas. Allez, Lucie, c'est pas possible de perdre du temps comme ça. Il n'y a plus personne qui bouge là. Bon. Ok. Alors, Lisa. On va peut-être faire un petit reset sim. Lisa Fisher. Oups. Alors, lorsque Robin s'apprête à utiliser le banc de muscu, elle se rend compte que son prédécesseur a laissé une immense mare de sueur sur l'équipement. Doit-elle affronter le malotru ou nettoyer le banc elle-même? Affronter. Robin va voir le coupable et lui demande de nettoyer l'appareil. Celui-ci se confond en excuses et répare aussitôt ses torts. Alors, Fisher, c'est avec un S, c'est mieux. Voilà. Oh, bah pourquoi t'es triste? La poupée est malade. Malgré tous vos efforts, vous n'avez pas réussi à guérir la maladie qui frappe votre pauvre poupée. C'est mignon. Bon, ça y est, elles se sont débloquées. Ah, c'est le truc là qui est rempli maintenant. Vider. Bon, tu manges toi, oui ou non? C'est pénible à la fin. Alors, tu peux jouer. Bon, qu'est-ce que tu fous? C'est chiant à la fin. Faut que je te reset aussi. Reset Sim, Jeanne Fischer. C'est mignon. Hop. Bon. Alors. Non, pas effrayé. Alors, parler. Il n'y a pas à caresser. Caresser. Alors toi, tu vas aller jouer avec ta sœur.
Elle est au niveau 9, super. Et tu vas parler avec en même temps. Alors, toi, tu vas... je sais même pas ce que j'ai fait. Prendre dans les bras et puis tu vas t'occuper un peu de Zoé. Prendre dans les bras. Oh là là, faut pas être pressé, hein. Putain. Ah, ça y est. Ah, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Faut pas être pressé aujourd'hui, hein. Ouh. Alors, caresser, je t'ai demandé. Donc, normalement, elles augmentent les deux. Tu peux continuer à augmenter ton social, hein, en même temps. Faire l'imbécile. Donc, tu peux faire une petite caresse à Milo aussi. Comme ça, les chats, ils sont contents. Alors, toi, tu vas... Ah bah évidemment, c'est mauvais maintenant. Donc, tu vas ouvrir. Pourquoi est-ce que je peux pas faire ces trucs-là? Ah oui, d'accord. Bon, tu manges ton truc, s'il te plaît. Ça y est, t'es décidé, tu manges. Robin a fini. Alors, tu peux aller faire du yoga. J'aimerais vraiment bien terminer cette fichue aspiration pour passer à autre chose. Il reste quelques minutes de jeu seulement, donc je doute d'y arriver, mais bon, soit. Pourquoi tu manges pas, toi? T'es pénible. Elle nous aura bien en kikiné toute la journée, hein. Bon, alors elles ont fini. Pourquoi elles ont fini? 4 partout. 9, 5, 5, 5. Bah continue à papoter un peu, parce que le social, c'est chiant à monter. Faire une référence culturelle. Partager un secret. Faire l'idiot. Discuter des fractions. Ah, ça y est, ils sont de nouveau bloqués. C'est pénible. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, ce qu'elle veut. Alors, niveau 6, c'est bien. Ensuite, ce sera ton tour de... d'augmenter ton social, faire une imitation... Demandez comment s'est passée la journée. Hop. Bon, cela dit, ça monte vite, hein. Bon, alors toi, tu vas arrêter. Elle est toujours malade. Et dès que ta fille l'a fini, en fait, donc tu vas pouvoir aller l'entraîner. Elle va s'entraîner. Toi, tu vas faire pipi. Et puis, tu vas... Alors, attends. Enseigner. Décourager, c'est sympa, tiens. Bon. Alors ici, bon bah continue à discuter pendant que l'autre mange, puisque vous avez arrêté sans mon accord. Parler de l'école, raconter une histoire scandaleuse. Elle est énergisée, c'est parfait.
Elle a atteint le niveau 5, c'est parfait. Nickel. Bon. Oh, 25%, ça n'avance pas vite, hein, cette histoire-là. Repousser ses limites. Non, 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 toi, tu restes ici. Hop, tu vas enseigner. Ça a dû faire mal. Bon. Bah, on va en rester là, nous, parce que bah, j'arrive pas à terminer cette fichue aspiration, là, donc ça me gonfle un petit peu. Mais on a quand même eu une promotion, donc on a au moins fait un truc. J'espère quand même que l'épisode bah, vous a plu, hein, comme d'hab, et comme d'habitude aussi, bah, n'hésitez pas à partager, etc. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut !